À la base, si on veut expliquer le penny stock, c'est un marché où les titres ne coûtent pas cher. Donc, ils sont, on va dire, plus démocratiques, plus accessibles à tous les investisseurs. C'est un marché qui est plus dangereux dans le sens où il n'est pas beaucoup encadré ou peu, à cause du fait que la, le potentiel, la probabilité de perte est minime. Donc, ce qui fait que la fréquentation même de ce marché, du fait que ça ne coûte pas cher en, en termes de perte, les gens le fréquentent beaucoup et la méconnaissance, euh, l'incompétence, l'appât du gain, fait en sorte qu'il y a une communauté qui le rend dangereux. La seule façon de faire du gain sur un titre qui ne vale vaut rien, il faut vraiment le faire gonfler beaucoup, un peu de levure comme on dit. Donc il faut vraiment qu'il gonfle vraiment pour qu'ensuite quand on le met au four, il va tomber. L'idée, c'est de faire croire que le titre vaut plus que ce qu'il vaut réellement. Donc on crée une fausse demande. Donc avec plusieurs individus ou un groupe de gens ou d'utilisateurs, on va faire monter la cote. On va beaucoup en acheter, ce qui fait que la cote monte. S'il y a beaucoup de demandes par rapport à une offre, on le fait monter. On va le faire monter assez pour que les gens suivent par effet d'entraînement. Ah, ce titre en train de monter, c'est le temps d'acheter. Mais le problème, c'est un problème de vitesse. Donc, les gens qui manipulent, qui font le pump, donc ils lèvent le titre pour pouvoir le revendre plus tard. Donc, ils lèvent, mais ils sont les seuls à savoir que l'information sur laquelle ils ont transigé ou fait transiger les autres, elle est totalement fausse. Il n'est pas interdit d'embellir une chose au-delà de certaines limites, mais il y a toujours une limite légale où ça devient de la manipulation, où ça devient de la fausse représentation. C'est là les, les, les garde-fous des régulateurs. Ce n'est pas interdit de dire que mon stock est le plus beau, c'est le magnifique, j'ai une idée géniale, c'est l'idée du siècle, j'ai trouvé le meilleur médicament au monde, la meilleure application, euh, la meilleure voiture, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas interdit d'embellir. Le problème, c'est euh, on n'a pas le droit d'embellir au point de manipuler un investisseur.